Le carré potager, des cultures associées. Nous sommes passés la mi-août. Donc voilà, on a déjà fait des semis pour l'automne et l'hiver. Donc voir ici des semis de laitue, voilà, de laitue à couper, de laitue paumée. Ici sous les grillages, on peut voir des plants de pain de sucre. Donc ici, je viens d'en repiquer. Voilà, j'ai un peu coupé les feuilles pour que ça ne souffre pas trop après le repiquage. Voilà, donc un peu mis à distance. Pain de sucre pas trop serré, sinon ça se gêne l'un l'autre. Alors les cultures de choux associées avec des pieds de céleri. Voilà. Donc, toujours un paillis au pied, donc on arrache un peu les mauvaises herbes et on la tonde de pelouse. Voilà, des déchets d'autres légumes que l'on met au pied, et voilà, tout ça, ça apporte de la nourriture, ça garde l'humidité dans le sol. Ici, c'est une rangée de laitue à couper. Et sous les grillages, ce sont tous des choux chinois, Mizuna, Pak Choi et chou de Chine paumé. Alors ici, à côté des fraisiers, on a planté une ligne de poireaux, donc poireaux-fraisiers, association recommandée. Alors ici, on a mis une rangée de haricots. Vers le fin juillet, vers le 21 juillet, je crois. Voilà. Donc, commence à venir en fleurs. Donc, ça, c'est encore une récolte garantie pour fin d'été. Alors, ici à côté des haricots, on peut voir. Une rangée de navets qui ont été semés aussi en juillet. Et de chaque côté, ce sont des semis spontanés d'épinards. Donc, les épinards de printemps ont monté à graines. J'ai tout fauché, j'ai laissé sur place. Et voilà, un engrais vert qui pousse spontanément entre nos rangées de légumes. Donc, couverture et ensuite engrais vert pour le terrain. Ici des poirées que j'avais repiquées aussi en juillet. Ben voilà, c'est parti. C'est des poirées à large côte blanche et à feuilles foncées qui peuvent être consommées en épinards. Bon, on va encore aller voir ça d'un peu plus près. Ah voilà, nous voici dans l'enclos du carré potager de culture associée. Donc, on peut voir ici, il y a eu un semis de betteraves rouges, voilà ici. Betteraves potagères, le terme général. Et on peut voir donc à côté, donc ici. De chaque côté, il y a un semis spontané d'épinards. Et on peut voir d'ailleurs que, bon, voilà, il y en a qui viennent déjà bien beaux, que l'on peut, à la limite, commencer à prélever et consommer. Et alors, on en voit d'autres, voilà, qui montent à graines. Donc,
c'est pas un inconvénient puisque voilà, il suffit de bien dégager à chaque fois les rangées de légumes et entre deux on laisse l'épinard en guise d'engrais vert. Donc ça fait couverture du sol. Si ça gêne, on peut faucher et puis relaisser pousser. Et si vraiment on veut s'en débarrasser, ben, on passe un coup de binette entre deux et voilà, ça permet de... Mais bon, voilà, les racines d'épinards explorent aussi le sol. Il y a une activité biologique qui se fait autour des racines, donc bactéries, champignons, voilà, il y a tous des échanges qui se font, il y a des sécrétions de racines qui nourrissent les bactéries, et voilà, tout ça, c'est propice à la vie du sol. Donc il vaut mieux un sol couvert qu'un sol nu. Donc autant que possible, essayer de couvrir le sol. Bon, on peut aussi couvrir avec des matériaux, des déchets végétaux qui sont morts, mais voilà, si on fait quelque chose de vivant, ben voilà, ça crée l'activité biologique dans le sol. Donc ici, on peut voir, voilà, un chou rave, voilà, la variété Super Schmelz. Et bah, ici, on en a encore un. Voilà, ben, celui-là pourrait d'ailleurs être récolté et consommé. Voilà, il y en a d'autres aussi. Et alors, j'avais aussi mis des choux hâtifs. Bon, voilà, il y en a quelques-uns déjà qui montent à graines parce qu'on n'a pas tout su manger, donc voilà, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Alors, ici, on a repiqué des betteraves potagères, donc prélevé des rangées que je viens de vous montrer. Voilà, on a repiqué ici pour étouffer. En fait, j'avais semé ici des panais et ce printemps ici a fait vraiment très très sec et j'ai eu une très mauvaise levée. Donc du coup, c'est un peu tard pour en ressemer. Du coup, bon, j'ai occupé le terrain avec... des betteraves repiquées, voilà, ça permet de occuper le terrain. Donc à gauche de ces rangées repiquées, donc ici on avait l'ail éléphant que l'on a récolté. D'ailleurs on peut voir ici les déchets, voilà, les têtes fleuries là que voilà, qui bon, les graines sont pas fertiles, donc et alors ici les tiges que j'ai coupées en morceaux, ben voilà, tout ça, ça retourne au sol. Donc tout ce qui vient du sol doit retourner au sol le maximum. Donc voilà, donc ici on a laissé un peu pousser des amarantes et ça crée un peu d'ombre pour nos choux qui sont ici situés à l'arrière. Voilà, quelques choux rouges, des choux blancs. Voilà, c'est déjà bien formé. Donc voilà, celui-ci, hein, on pourra le consommer là. Voilà, et ici aussi, ben, pour les choux rouges, ça grandit quand même, malgré qu'il a fait sec. Et je crois que l'ombrage des amarantes a aussi joué en leur faveur. Donc voilà, ici on peut en voir d'autres. Voilà. Alors ça fait un peu bazar comme on dit. Et malgré tout, je crois que ça crée aussi un peu d'ombrage. Et c'est assez. Voilà. Le bas est assez dégagé, donc des amarantes, donc ça crée plutôt un ombrage en haut sans être trop touffu. Donc ici on retrouve notre maïs.
Donc ici les fleurs mâles. Et ici en dessous, ben voilà, il y a les épis qui se forment. Donc et c'est pollinisé par voilà, ce petit chevelu. Alors, quand on repasse ici de l'autre côté, donc toujours des repiquages de choux avec, ici j'ai mis des targettes entre deux. Voilà, j'ai aussi mis des pieds de céleri par-ci par-là, donc voilà, ici je pense que je n'en vis plus trop de pieds de céleri, donc j'ai plutôt mis des targettes. Donc toujours association de légumes. Alors, ici j'ai repiqué des pains de sucre, ça souffre bien avec la chaleur, là, la sécheresse. Ben, voilà, bon, j'ai un peu coupé les feuilles. Voilà, comme ça, lors du repiquage, je l'ai habillé, comme on dit. Bon, voilà, ça va un peu mieux résister. Je vois que ceux qui sont là-bas, un peu plus à l'ombre, ont meilleure figure, quand même. Bon, ici, voilà, j'ai semé des laitues toute saison. Donc, pour tout ça, c'est destiné à être, bon, soit consommé... en prélevant ici au fur et à mesure, et éventuellement ça peut aussi être repiqué en serre à partir de novembre, par là, octobre-novembre. Mais de toute façon, je vais refaire un semis pour en avoir davantage. Alors ici, j'ai un semis spontané aussi de cresson. Bon, là, c'est des plantes qui ont engrainé de l'année passée. Alors ici, j'ai un peu fait un mélange de laitue à couper, de chicorée. Voilà, j'ai même mis des radis, de la roquette, je pense, donc pour faire des mesclins. Donc voilà, on peut voir un peu des laitues à couper, même des radis, voilà. Bon. Ça dépend un peu de la météo. Non, c'est un peu sec, mais bon, peut-être qu'on aura de la pluie bientôt. Donc ici, sous les grillages, j'avais fait un semis de pain de sucre, chicorée pain de sucre. Donc c'est cela que j'ai commencé à repiquer, à éclaircir. Donc on peut voir que voilà, à peu près éclairci jusque-là. Ben, voilà, il y a encore des plants là-bas. Donc je vais sans doute repiquer une petite ligne quelque part dès que le temps est à nouveau un peu plus humide. J'espère que ça viendra. Alors ici, des choux avec repiquage de céleri. Voilà, ici, céleri à côte dorée avec des choux. Voilà, avec, c'est aussi une bonne association. Donc, ce que j'ai fait. Voilà, ici quelques choux blancs. Et ici les choux kale. Et ici un chou palmier noir de Toscane. Voilà, c'est à peu près le seul que j'avais. Je vois qu'il y a des alerodes, donc des petites mouchettes blanches là, qui se fixent sur les choux. Donc ça, c'est un signe qui fait sec. J'aime bien la sécheresse. Alors ici j'ai fait des semis de chicorée, scarole et endive frisée. Donc j'ai un peu semé différentes variétés. Voilà, ça aussi c'est destiné à être repiqué ailleurs. Donc dès qu'il y a un peu de place, ben, par exemple à l'endroit où on avait enlevé l'ail éléphant, ben voilà, c'est là qu'on pourrait éventuellement les repiquer. Toujours attendre que la météo est un peu plus favorable, que le soleil est un peu moins fort, parce qu'ici il est un peu canière là. Bon, ici on voit toujours les épinards semi-spontanés,
là. Et si j'ai semé des laitues à couper, donc ça aussi, ça peut être même repiqué. Hein. Donc ça fait, ça ne fait pas des pommes, mais voilà, ça fait quand même une belle, belle touffe de verdure. Donc ça peut être tout à fait repiqué. Alors, sous les grillages, là, j'ai semé des choux de Chine. Je vais passer de l'autre côté. Voilà, des choux de Chine paumés. Et là-bas, je crois que ça doit être genre pak choy, etc. Et tout au bout, voilà, de la mizuna. Donc ça, c'est très résistant au froid. Donc ça peut rester dehors. Ben, le chou chinois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ben, il est quand même aussi assez résistant au froid. Voilà, il craint plutôt la sécheresse et l'excès de chaleur. Non. Donc là, il pourrait, ben, par exemple, décider à monter à graines. Donc, bon, ici, ça a l'air d'aller plus ou moins. Mais ce n'est pas encore gagné. Hein, donc, peut-être qu'en fin de semaine, on aura un peu de pluie. Et toujours entre deux, hein, toujours nos épinards hein, qui se sont ressemés. Alors ici, il y a notre double rangée de fraisiers. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de stolons qui se sont formés. Donc un peu près, hein, le petit stolon là, qui se s'enracine. Voilà. Et là aussi, voilà. Ils vont s'enraciner. Voilà. Une bonne association aussi, à ce qui paraît. Donc, poireau. Et le poireau aime la fraise. Et vice versa. Donc ici, c'est bon, un semis de haricots nains. J'ai fait en juillet. Donc, bon, c'est peut-être l'avant-dernier semis que j'ai fait. Donc, et là aussi, je vais même montrer qu'il y avait un semis d'épinards qui s'était mis au pied. Ben voilà, ça n'a pas du tout gêné la pousse de du haricot. Et voilà, les petits épinards sont toujours là, mais bon, manque de lumière, ben voilà, ils cèdent un peu leur place. Ben ici, c'est un petit peu plus touffu. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être déjà quelqu'un qui est venu me prélever pour manger, sans doute le feuille, qui aime bien ce genre de petites plantes pour confectionner des petits plats. Donc voilà, tous ces petits épinards, hein, on peut cueillir aussi et aussi en manger. Alors ça permet aussi d'avoir une diversification dans nos plats. Alors à côté, on peut voir là, donc ici, des navets. Donc je vais faire un peu un mélange de différentes sortes de navets. Donc ça, c'est des navets pour l'automne. Avec toujours encore à côté de chaque côté aussi un peu d'épinards, toujours semi-spontané. Alors ici, ben ce sont mes poirées bêtes ou blettes que j'avais repiquées. Voilà, ils étaient tout petits, mais voilà, c'est bien parti là. Et c'est tout beau, tout beau. Alors, ça va faire un bon légume là pour cet automne et cet hiver et jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc ici j'avais semé des laitues d'hiver, donc on peut en voir quelques-unes là. Voilà, c'est un peu laborieux au milieu des épinards, mais voilà, elles sont là quand même. Voilà. Donc on va faire un petit passage de binette pour bien leur donner un peu de lumière et d'espace. Donc on dégage 5 à 10 cm de chaque côté de la ligne de semis et voilà, ça permet
favoriser la pousse de ce semis de laitue d'hiver. Voilà, donc cet été ça a été un peu laborieux parce que il en fait très sec et même frais, donc en mai, juin et une partie de juillet. Et ensuite on a eu quelques bonnes pluies là, et ça a permis de faire tous ces semis ici. Donc j'avais fauché tous les épinards d'abord. Et j'avais laissé les résidus sur place en couverture, et voilà, de là viennent ces semis spontanés. Et ben, il suffit simplement de dégager, par exemple ici, pour les navets, ben voilà, j'ai dégagé une bande de 20-25 cm pour faire le semis, et ensuite, ben, j'ai laissé pousser, et il suffit simplement de un peu contrôler ce qui se passe à côté pour que, ne pas se laisser envahir. Et voilà, les semis faits ainsi se passent même très bien. Donc ici pareil, hein, je vous ai montré là, donc les choux chinois, ben voilà, j'ai dégagé un peu de chaque côté, et voilà, ça n'empêche pas ici de laisser pousser les épinards en guise de couverture, et voilà, ça ne gêne pas du tout tous ces semis qu'on a fait. Voilà, ça c'est un peu la méthode de Gertrude Franck, et fait un peu à ma sauce. Bon, il faut un peu improviser aussi, parce que lorsqu'on rate des semis, ben voilà, faut pas laisser tomber les bras, et ben, il faut recommencer et peut-être passer semer autre chose. Hein, ben. Parce que par exemple, on voit que je n'ai pas vraiment de carottes aussi, ben, ici dans cette parcelle, ben, c'est pas du tout volontaire, j'en avais vraiment semé, mais voilà, ça, avec la sécheresse qu'il y a eu en printemps et début d'été, je ne suis pas arrivé à en faire lever ici, mais du coup j'en ai semé quand même ailleurs, en temps et en heure. Et ici, je me suis dit, ben voilà, je vais plutôt semer tout ce qui sera pour l'automne et l'hiver, donc plutôt des légumes feuilles, et voilà, pain de sucre, chicorée, voilà, choux chinois, laitue, voilà, tout ça, et même haricots, donc voilà. Donc il faut toujours un peu compenser. Ben voilà, ben, je vous ai dit que j'avais pas réussi mes semis de carottes, ben voilà, il m'en reste quand même quelques-uns ici, mais voilà, c'est assez clairsemé, donc ça n'a pas très bien réussi ici, donc voilà. Ben voilà, donc ben, le tour du jardin du carré, là, j'aurais voulu mettre des plantes condimentaires, des fleurs. Ben, j'ai pas vraiment su mettre grand chose parce qu'il faisait tellement sec. Mais voilà, j'ai quand même mis quelques petites plantes. Voilà, j'ai mis ici vraiment tournesol quand même. Ça, c'est un chou d'aubanton, donc un chou perpétuel. Il y a de la consoude qui pousse aussi. Voilà, j'avais mis du maïs ici un peu tard. Bon, on verra bien. Ici, il y a un cosmos. Ok, bon, il va co-fleurir cette année. J'ai mis un peu tard, mais bon. Bon, il y a aussi de la consoude. Ici, voilà, ici, une petite fleur du printemps, là, en forme de clochette, des encolis jardin. Donc ça aussi, voilà, c'est vivace, donc ça va repousser. Voilà, ici aussi, encolis, cosmos, et voilà, il y en a qui fleurissent là. Voilà, consoude, voilà, un petit peu de tout. Bon, l'année prochaine, j'ai un peu garnir au fur et à mesure.
de la saison. Voilà, on apprend aussi et on s'adapte en fonction du climat aussi, parce que parfois on n'a pas le choix, on ne lève pas, il faut faire autre chose. Voilà, ici se termine la petite visite de l'intérieur du carré potager de culture associée méthode de Gertrude Frank, donc appliquée au jardin d'Albeck. Voilà, à bientôt.